lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pour toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas de courage. Et même si, en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère. Par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit sur nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui avec à la fois cette joie de se dire que dimanche, il pourra y avoir des messes avec du public et en même temps cette profonde incompréhension sur les limites qui ont été fixées. Et il y aurait peut-être une mauvaise attitude qui serait de se dire si on ne peut pas tout faire, alors autant ne rien faire. Puisque c'est comme ça, je ne fais rien, je n'y vais pas. Il n'y a pas de raison qu'on s'inscrive, qu'on soit obligé d'aller ailleurs, qu'on soit obligé de limiter, donc je préfère ne pas y aller. Et c'est une colère que l'on peut tout à fait comprendre. Mais, je dirais, s'il y a un trou dans le mur et que par le trou du mur passe la lumière du Seigneur, alors, il faut que nous essayions quand même d'y mettre l'œil pour voir ce qui se passe derrière. Et si nous y réfléchissons, c'est déjà ce que vivent la plupart des malades. Vous savez, quand on est bien portant et jeune, on se dit en ce moment j'ai plein d'activités à faire. Plus tard, quand je serai vieux et impotent et que je ne pourrai plus bouger, je passerai du temps en prière. Et puis, lorsque la maladie arrive, on se dit quand même, je suis bien trop fatigué. Et puis si je prie avec mes douleurs, avec ma souffrance, ma prière n'est pas aussi belle qu'avant. Elle me paraît limitée, elle est difficile. Et donc si nous suivons le raisonnement précédent, mieux vaudrait ne rien faire. Et je ne crois pas que ce soit la bonne solution. D'abord parce que de grands saints nous ont montré l'exemple. Et je pense particulièrement à Sainte Thérèse ou à Sainte Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette n'est pas sainte parce qu'elle a vu la Sainte Vierge Marie. Si elle a eu des apparitions, ce n'est pas en raison de sa sainteté. Elle-même le disait, « Oh, je crois bien que si la Sainte Vierge avait trouvé une jeune fille plus pauvre que moi, c'est elle qu'elle serait allée voir. » En effet, elle n'était pas éduquée, elle n'arrivait même pas à parler le français. Elle ne savait pas lire ni écrire. À 13 ans, 14 ans, ses parents avaient à peine de quoi la vêtir.
Elle était vêtue d'habits d'occasion. La nourriture était rare. Et ils étaient confinés à 6 dans une pièce qui faisait 4 mètres carrés. Donc ce n'était pas pour sa richesse, ce n'était pas pour son savoir que Bernadette était mise en valeur. Mais c'est parce que dans son cœur de pauvre, elle a laissé cette dépendance entière à Dieu. Et cela, ça a été un chemin. Lorsqu'elle était à Lourdes, Bernadette a encore sa fierté bigourdine qui fait que il ne faut pas trop lui en compter non plus. Qui fait qu'elle va parfois répondre aux gens avec une pointe d'ironie quand même. Et c'est petit à petit qu'elle va apprendre à avoir ce cœur comme lessivé, retourné par le Seigneur. Parce que si Bernadette est sainte, c'est d'abord parce que elle a su offrir toute sa vie en entrant chez les sœurs de Nevers et que là encore, elle a appris à se recevoir du Seigneur et à donner ce qu'elle avait. Une fois que Bernadette arrive chez les sœurs de Nevers, là non plus, elle n'a pas brillé, elle n'a pas été supérieure, ni même provinciale ou je ne sais quoi. Elle n'a pas été maîtresse des novices, elle n'a pas été première de sa classe. Lorsque l'on donne les affectations, tout le monde reçoit ses charges. Une telle partira à l'infirmerie d'ici, une autre sera à l'école de telle ville. Et à la fin, il n'en reste qu'une, sœur Marie-Bernard, Bernadette. Et l'évêque demande, mais alors pour elle ? Oh, elle, répond la supérieure, elle n'est bonne à rien. Elle n'est bonne à rien. Et finalement, comme par pitié, on acceptera de garder Bernadette à la maison mère, où elle fera des petits travaux, parfois à la sacristie et puis surtout à l'infirmerie. Un jour, une dame s'offusque. Elle dit, mais enfin, mais c'est vous Bernadette, mais vous avez vu la Sainte Vierge. Comment se fait-il que maintenant vous soyez oubliée et Bernadette répond, vous savez, c'est comme un balai. Un balai, lorsqu'on en a besoin, on le prend dans ses mains et alors c'est ce qu'il y a de plus important au monde, puisqu'il est au centre de notre attention, de notre regard. Il est essentiel à notre action. Mais une fois qu'on a balayé, eh bien on le remet dans le placard et plus personne ne s'en soucie. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de rester un balai, même un balai de qualité. Vous voyez, Bernadette était comme ce balai. Elle avait transmis le message de la Sainte Vierge. Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire. Elle l'avait transmis fidèlement. Et ensuite, elle ne demandait pas de récompense. La Vierge lui-même lui avait dit, « Vous ne serez pas heureuse dans ce monde. Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Et Bernadette tombe malade très rapidement, avec une tuberculose qui va s'amplifier et qui va créer des douleurs très très fortes au point qu'elle ne pourra plus bouger de son lit pendant longtemps. Et c'est sans doute pour cela qu'elle est sainte. Non pas d'avoir été malade, mais parce que pendant sa maladie, elle a décidé de tout donner. Elle aurait pu se dire, « Ah, si Dieu me rendait la santé, enfin, je pourrais prier. » Convenablement, j'aurais les idées claires. Si Dieu me rendait la santé et que mes parents pouvaient me payer le voyage jusqu'à Lourdes, je retournerais à la grotte. J'irais dire merci à la belle dame, à la Sainte Vierge. Mais ce n'aurait pas été réaliste. Ce que Bernadette a fait, c'est que, allongée sur son lit, dans ses douleurs, elle a pris soin des sœurs qui venaient la visiter. Elle voyait celles qui étaient tristes, celles pour qui il était difficile de venir visiter les malades. Et elle tâchait, par une parole réconfortante, par un peu d'humour aussi, de les faire sourire, de les aider à avancer.
une sœur qui avait l'impression que sa situation était la pire au monde, eh bien, Bernadette lui fait remarquer humblement que elle-même est encore dans un état bien plus lamentable. Non pas pour que la sœur s'apitoie, mais pour que la sœur puisse justement se dire « Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. » Voilà, je pense, un des fruits que nous pouvons goûter aujourd'hui de cette lecture et aussi de la vie de Bernadette, c'est de rendre grâce au Seigneur de ce que nous avons. Tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est ce que saint Paul nous dit. Nous avons, quelle que soit notre condition, des grâces de Dieu. Et nous avons à les faire vivre maintenant. Nous avons à les faire vivre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les âmes du monde entier. Et c'est là que nous nous rendons compte que la puissance de notre prière, que la grandeur de notre sainteté ne dépendra pas de notre état physique, de nos souffrances, de notre confinement ou non. Mais la grandeur de notre sainteté dépendra de la place que nous aurons faite à Dieu. Est-ce que le Seigneur est l'essentiel de ma vie? Et je le dis d'abord pour moi-même, est-ce que le Seigneur est vraiment l'essentiel de ma vie? Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la réponse, parce que, bien sûr, j'ai envie de dire, mais oui Seigneur, tu le sais, tu sais bien que je t'aime. C'est la réponse de saint Pierre. Mais si on y réfléchit, oui, et je t'aime si pauvrement Seigneur. Eh bien, ce n'est pas le désespoir qui doit prendre le pas, mais en nous rendant compte que nous n'aimons pas assez le Seigneur, que nous ne l'aimons pas suffisamment, eh bien, ayons ce cri que nous pousserons des dimanches. « Oh, viens Seigneur Jésus, viens Emmanuel. » Nous allons entrer dans l'avant, eh bien, crions vers le Seigneur. Demandons-lui de venir à nouveau dans nos cœurs. Demandons-lui de les emplir chaque jour davantage. Demandons-lui sa présence dans notre monde, auprès de nos frères, malades ou en bonne santé, en groupe ou isolés. Demandons au Seigneur de pouvoir partager son amour. Et alors, nous approchons toujours plus de lui, nous pourrons faire grandir le règne de Dieu. Nous pourrons, nous aussi, par le don de nous-mêmes, par notre prière, participer au règne de Dieu, participer à la construction du royaume, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Thank you.
bien connu. Et Seigneur, nous te bénissons pour les grâces reçues par l'intercession de Saint Jean, en particulier pour Charles et Marie. Marie-Charlotte, David, Jeanne. Marie-Christine, Anne-Marie.
nous sont proches, toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. En toi,
Un très bon dimanche à vous tous et un très bon début à vous. Merci. Oh, sine peccato.
os custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem amorus per animus in.